تحقيق الاكتفاء الذاتي للجزائر من أدوية المضادات الحيوية، هذا هو الهدف الذي جاء من أجله إنشاء وحدة جديدة للشركة الصيدلانية الجزائرية صوفال، التي دشنها الوزير الأول عبد الملك سلال والوفد الوزاري المرافق له اليوم في وهران. C'est une ligne, c'est une nouvelle ligne, enfin celle que nous venons d'inaugurer aujourd'hui est une nouvelle ligne de céphalosporine, forme stérile, donc c'est tout ce qui est forme injectable. Donc c'est les céphalosporines, comme on avait vu dans la présentation, sont des formes, enfin c'est des formes stériles de assimilées au bêta-lactamine. Dite pénicilline, donc c'est un peu les céphalosporines sont un peu la nouvelle génération de pénicilline. الشركة الصيدلانية الجزائرية والتي تأسست العام 1991 تعمل في إنتاج العديد من الأدوية الخاصة بعلاجات أمراض القلب والسكري والالتهابات وغيرها، والتي بلغت 23 نوعا، لكن أحدثها هو دواء بيفالوسبورين الذي يؤخذ عن طريق الحقن. On est en cours, on prépare un département qui sera spécialisé dans l'exportation, mais c'est des choses qui mettent du temps à se mettre en place, et aujourd'hui on préfère se focaliser sur le marché algérien. Vous savez, ça met une usine de médicaments, c'est des montées en cadence en fait. On commence pas aujourd'hui, on dit qu'on va faire 10 millions, c'est pas 10 millions d'unités qui vont se faire du jour au lendemain. Il y a des usines aussi qui sont en train de fermer en Europe, donc du coup, il y a de la main-d'œuvre européenne également qui se retrouve sur le marché, et donc en fait, on récupère ces cerveaux pour pouvoir faire, et ce sont tous des gens qui ont travaillé dans des multinationales. رهانات وتحديات للدولة تتفق على ضرورة دعم القطاع الخاص من أجل إنتاج الأدوية للتخفيف من فاتورة الاستيراد التي تظل الأدوية على رأس قائمة المواد شديدة الطلب، مع الحبوب والحليب وقطع الغيار والسيارات. فتحي شفيق المحنط لشروق نيوز، وهران.